aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vlog sur cette chaîne, mais vous m'avez demandé d'en faire plus, alors voici. Aujourd'hui c'est un vlog qui va être super chouette puisqu'on se rend à la fête du cheval de Loudéac où on était déjà allé il y a quelques années. C'est là où j'avais rencontré Maëva et sa troupe. Je vous mets le lien du vlog juste en haut par ici. À l'époque on s'est dit ce serait extrêmement stylé qu'on vienne un jour faire notre spectacle ensemble avec moi au violon et elle avec ses chevaux. Et bah aujourd'hui est le grand jour. Voilà, on va présenter quelques pièces de Bracken. Je suis accompagnée d'Élise. Élise fait le taxi et elle va être aussi d'une aide précieuse pour nous aider à installer les affaires, tout ça, enfin voilà, notre super Élise. Parmi les trucs un peu plus compliqués, on va dire, alors déjà il y a eu beaucoup de péripéties pour réussir à arriver à aujourd'hui, et ensuite il s'avère qu'après des mois de sécheresse, aujourd'hui il pleut. Je suis ravie mais à un point de voir de la pluie, vraiment ça me fait trop plaisir. Mais par contre ça compromet juste un petit peu le spectacle étant donné que mon violon n'est pas waterproof. Donc je ne sais pas du tout comment ça va se passer, enfin voilà. J'ai aucune idée de comment va être ce vlog. Mais je vous embarque avec nous quoi qu'il arrive. Si c'est le gros bordel, ce sera le gros bordel. Et dans tous les cas, voilà, vous passez la journée avec nous, vous n'avez pas le choix en fait. Voilà. Nous nous retrouvons donc à nouveau dans la voiture d'Élise pour manger parce que il pleut. voilà, donc c'est très très bien pour la planète, très très pas ouf pour notre spectacle. On croit. Kiki, oui, Kiki. Je sais plus ce que j'étais en train de raconter, tu m'as coupé. Sur mes lunettes. Voilà. Et attends, pousse tes grosses pattes. Voilà, on sent le bavoir. Oui, je disais qu'il pleuvait et que c'était nul pour le spectacle. On croise tout ce qu'on peut pour qu'il y ait une éclaircie au moment de notre passage, mais voilà. Sinon, on risque de devoir faire un numéro avec violon, sans violon. C'est un concept. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Ah si, on a fait le défilé ce matin. C'était chaotique. On espère que le spectacle sera moins. Il va casser une putain d'esprit américaine. Et bah moi, voilà. La joie. J'ai énervé.
c'est le moment où je m'aperçois que je suis un boulet et que j'ai oublié d'enlever la coque waterproof de ma GoPro avant de filmer. Ce qui fait qu'on n'entend absolument rien de ce que je vous raconte. Mais du coup, on abordait notre ressenti suite à notre premier passage, dont on est ressorti bien claquées toutes les deux. C'était vraiment compliqué de jouer sous la pluie, et de mon côté c'était à la fois dangereux pour mon violon, et tout ça pour un résultat moche et pas à la hauteur de ce qu'on sait faire, le son est irrégulier, les cordes se désaccordent. Alors pour le deuxième passage, j'ai décidé de jouer la sécurité et de tenter une version sans violon, sans trop savoir ce que ça pouvait donner. Mais honnêtement, à ce stade-là, on n'était plus à ça près. Encore une fois, je vous fais mon débrief avec la coque waterproof de la caméra. Je disais donc que j'avais un gros coup de fatigue après ce deuxième passage, comme vous l'aurez sûrement deviné vu mon oubli d'enlever la coque. Mais si vous écoutez bien, vous entendrez quand même que j'ai eu l'audace de dire ça. Bah oui Maï, c'est vraiment la musique qui pose problème. Bon, pour en revenir au spectacle, j'étais dégoûtée car je trouvais qu'il avait bien moins plu que lors du premier passage et j'aurais presque pu prendre mon violon. Mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu, c'était quand même mieux que notre premier passage et puis bon, c'est comme ça. Et ça s'appelle un vent. Kelly, ça lui ira, c'est sûr. Tout l'hiver. En taille, je sais pas, pardon. Comment on écrit kidnappé? Quoi? Kidnappé, comment on écrit déjà? K-I-D-N-A-P-P-E. Oh, ça lui va, genre ça veut dire ça va avec moi. Juste qu'il va se cabrer. C'est quoi ça? De la fête du cheval. Voilà, je voulais vous filmer cette fin de vidéo le soir même, mais en fait, j'ai dormi. Voilà, très honnêtement.
Je me suis écroulée, j'étais épuisée. Je suis quand même très contente de nous et de notre persévérance avec tout ce qui nous est arrivé, tous les obstacles auxquels on a dû faire face. Awaken sans le violon, c'est compliqué, on va dire. C'était une expérience, on l'a fait. Moi, vraiment, je me suis lancée dans un truc que n'est pas du tout mon domaine et c'était marrant. C'est sûr que forcément, on est un peu déçus parce que nous, on sait qu'on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes. On a fait ce qu'on a pu avec les conditions, mais voilà, c'était pas notre meilleure perf, honnêtement. Après, au niveau de la fête de façon plus globale, j'espère que vous avez pu en profiter un petit peu. J'ai pas beaucoup filmé, j'avoue. J'ai essayé de vous filmer quelques images, mais c'est vrai que j'ai moins filmé peut-être que certaines fois. La fête du cheval de Loudéac, c'est avant tout la fête du cheval de trait. Très clairement, si vous aimez les gros boules, c'est l'endroit, allez-y, vous n'allez pas être déçus. Je les ai pas tous filmés, mais il y avait un carrousel d'attelage, il y avait un carrousel monté, il y avait encore d'autres démonstrations avec des chevaux de trait. Enfin voilà, le cheval de trait est très très présent à Loudéac, c'était déjà le cas il y a 5 ans, parce que lors de mon premier vlog, mais là c'était d'autant plus flagrant pour moi. Parmi tous les chevaux qui étaient présents, les chevaux de Maeva étaient littéralement les seuls qui étaient sans mort et pieds nus. Alors des chevaux... Vous faites exprès là? En vrai, des chevaux pieds nus, il y en avait, hein. On n'était pas les seuls, mais par contre, des chevaux sans mort, si, vraiment, j'en ai vu aucun autre. Bah du coup, j'ai l'impression d'être vraiment en décalage, et je pensais vraiment pas qu'on serait les seuls sans mort, quoi. A noter aussi que cette année, il n'y avait pas d'âne, pas de longues oreilles, un peu déçu là aussi, forcément. Après, ça reste un chouette événement, et j'étais par contre assez impressionnée du nombre de personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement, malgré la météo, malgré la pluie, les gens, ils étaient quand même là avec leur parapluie autour de la carrière. Et ça, c'était trop chouette. Maintenant, voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous, que ce vlog n'était pas trop chaotique, même si là-dessus, j'avoue que j'ai beaucoup de doutes, on va dire. Et voilà, moi, sur ce, je vais finir ma petite routine repas, et je vous fais tout plein de gros bisous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.